Salut tout le monde, c'est Pixel, j'espère que vous allez bien, moi je vais super bien, on se retrouve aujourd'hui pour la suite de notre aventure sur Miss World, l'aventure de découverte et de test. J'ai vu que le premier épisode vous a fait énormément plaisir, 3000 vues bientôt, je suis surpris qu'un petit jeu vous ait autant plu, autant marqué, et bref, je me suis dit pourquoi pas continuer cette petite aventure et voir où cela peut nous mener. N'hésitez pas à vous abonner, n'hésitez pas à liker, n'hésitez pas à cliquer sur la cloche pour ne rien rater des futures vidéos si vous ne l'avez toujours pas fait, c'est gratuit et ça aide énormément la chaîne. Vous pouvez rejoindre aussi en description de vidéo les liens pour le Discord, les liens pour la chaîne Twitch et le lien pour la page dont pour l'écriture de mon livre. Et bien écoutez, on est parti, on est beau, on est chaud. Rappelez-vous, lors de l'épisode précédent avec Fabioso, nous avons mouru, je crois, une fois, je suis pas sûr. Bref, il nous arrivait des dingueries, on a découvert une petite ville dans le sud, nous avons des petites quêtes en cours et nous avons des compétences qu'il va falloir qu'on gère ça dès qu'on a ça, et surtout gérer notre petite bâtisse qui est ici. Voilà, on est dedans, c'est la Zermi. Mais ce qui est bien, c'est qu'on a récolté des affaires. Regardez, on a une hache, on va pouvoir commencer à améliorer déjà notre maison. Parce que vous voyez, pour réparer l'extérieur et l'intérieur, il nous faut 100 de bois et 100 de pierre. Et je trouve que ça pourrait être pas mal de déjà commencer à gérer ça. Alors comment on fait? Comment ça se passe? Est-ce qu'on peut couper n'importe quel bois ou est-ce qu'il faut que... Peut-être qu'il soit assez grand. Comment on peut faire? Attendez, j'essaye de comprendre. Hein. Là, on a notre hache. Ok. Et à la manette, est-ce que je peux taper? Attendez. Je peux taper à la manette? On a la faux, on a l'arrosoir. Ouais. Cette hache n'est pas assez solide. Et sur ça? Non, elle n'est pas assez solide. Il va falloir qu'on trouve un... Ah, ça je peux. D'accord, on a une hache qui peut détruire que ces tout petits arbustes. Eh bien écoutez, on est parti. Parce qu'il faut savoir que c'est un jeu qui... Alors attendez, je bouge un petit peu la manette parce qu'on va jouer à la manette. Je trouve que c'est plutôt pas mal. C'est un jeu qui n'est pas là pour vous faire rusher les missions comme un Skyrim ou un truc comme ça. Même s'il y en a qui aiment bien se balader hein, dans Skyrim. Mais le but, c'est quand même de faire la mission principale. Là, on est vraiment dans un Sims. Vous avez des quêtes, oui. Mais vous pouvez vraiment vous concentrer sur vos affaires à vous et ne pas les faire. C'est pas, y a pas de temps pour les faire, vous voyez. Donc là, on prend notre temps, on y va. C'est parti, on a 18 bois. Moi, ce que j'aimerais bien voir, c'est est-ce que je peux manger des choses? Pas le rubis, bien entendu, je vais pas pouvoir le manger, mais est-ce que ici... Voilà, on a les champignons, on a du miel, je vais l'utiliser. C'est pas top, hein, mais écoutez, hein, je vais faire au mieux avec ce que j'ai. Et on va choper tout ce bois-là. Il nous en faut 50 pour au moins réparer l'intérieur. L'extérieur, on le fera peut-être plus tard. Mais ça me fait penser aussi un petit peu à Coral Island. Vous voyez, dans un monde médiéval, il a été très très bien reçu, le jeu. Et ça, c'est cool. Et de toute façon, on est là pour apprendre. Donc, si vous voulez du gameplay de ouf, je suis désolé. J'apprends, donc on risque de faire des erreurs. J'espère qu'il repousse le bois aussi. Parce que vu qu'on a les saisons, et qu'on peut se marier, tout ça, tout ça. Ça, je peux pas, ça, je peux. Voilà, on est à 44. Peut-être que ça sera l'avant-dernier. 47, comme l'agent. L'agent 47, hop. Allez, 51. Ok, je vais prendre la petite pioche. Ça va nous donner quoi? C'est du fer ou pas? Je pense que c'est du fer, ça. Minerai de cuivre. Ah d'accord, c'est du cuivre. Ça, c'est de la pierre, c'est ce qu'il nous faut. Par contre, un de pierre, c'est-à-dire qu'il va nous falloir combien? 50 machins comme ça? 4 de pierre, non, c'est bon. Hop, 6. Et c'est quoi? C'est notre boîte aux lettres, ça? Ah, vous voyez, on va pouvoir faire l'extérieur. On est à 9 sur 50. On y va. Hein. Oula, faim et cuisine. Vous commencez à avoir faim. Manger de la nourriture préparée ou ramassée pour remplir votre estomac. La nourriture préparée est bien plus avantageuse. Combiner des ingrédients dans la cuisine. Ouais, mais là... Ah oui, on commence à être fatigué. Comment je peux faire, là? On n'a pas de cuisine, on n'a rien. Vous pensez que je peux manger ça?
Ah oui, ça m'a donné tout. Faut que j'aille en chercher avant. Oh, il y a un lapin, mais je pourrais peut-être pas le chasser comme ça. Hein. Le jeu, il va me dire non. Il va me dire non de fou. C'est quoi ça? Une plume légendaire? Quoi? On a une plume légendaire? Non. Je sais pas du tout à quoi ça sert. Hein. Je suis en train de découvrir en même temps que vous, et c'est pour ça que j'adore faire ces vidéos découvertes. C'est que pour de vrai, c'est topissime. En vrai, c'est un jeu que j'attendais. Et j'en suis très content. On est à 20 maintenant. 19. Ah ouais, et il commence à pleuvoir. Allez. Je veux au moins avoir mon intérieur. De quoi faire à manger, tout ça. S'il vous plaît, le jeu. Ah, attendez, je vais me mettre bien comme il faut. Niveau gagné. Oh! Donc j'ai un niveau. J'ai le niveau du commerce. Comment je fais? Je clique dessus. Voir les cartes disponibles. Ah oui, mais ça... Alors, attendez, ça, je l'enlève. C'est avec ça qu'il faut que je... Ah, d'accord. Je suis à la manette, mais je suis aussi au clavier. Corps à corps, tir à l'air, culture de la terre, charisme, survie. On a quoi en survie? Rien. On n'a aucune carte de compétence? Non, non, on n'a rien gagné. On n'a aucune carte pour le moment. On a 2,5% de chance d'obtenir plus de bois dans le commerce. Survie, c'est quoi? Vitesse de progression? Ouais, il va falloir qu'on améliore, mais j'ai aucune... Ok, on apprendra au fur et à mesure. Écoutez, déjà, je vais m'occuper de ça. Donc, quand on craft, ça améliore le craft. Ok. Là. Et je parie qu'on va gagner d'autres skills. Il y a peut-être des trucs cachés. Et puis, il va y avoir des mises à jour aussi. Le jeu vient à peine de sortir. Voilà. Par contre, ça va être des campignons. Il va falloir qu'on trouve des champignons très vite. Des champignons, hein, mais j'appelle ça des champignons, moi. Et par contre, pourquoi je peux faire ça? D'accord, ok. Là, on a le bord. J'aimerais bien trouver des champignons, s'il vous plaît. Va falloir qu'on bouge de chez nous, il n'y en a pas. Là, on va pouvoir pêcher, ça c'est cool. Et il commence à faire nuit. 42. Allez, on va le faire. C'est pas grave. Allez, zou. On a de la santé aussi qui est en train de descendre. Je sais pas comment ça se fait qu'elle descend, notre santé. On s'est peut-être fait attaquer. Ah oui, mais non, c'est vrai, on est mort une fois. On a la moitié de notre vie. 47. Allez, s'il vous plaît. 48. 49. Oh non! On se fait troll par le jeu. Voilà, 51, parfait. Je vais améliorer l'intérieur. L'extérieur, on verra plus tard. Réparer l'intérieur. C'est fait? Ah, ça me l'a utilisé directement. Fais voir. Ah, on aura un étage aussi. Bon, on va dormir. C'est pas très très bon, mais... Et ça, il faut que je l'enlève, purée. Il faut que j'enlève la souris. On va attendre. Est-ce que la faim remonte ou pas? Non. J'ai une faux, c'est quoi ça? Est-ce que ça marche? Ah oui, on a du foin pour avoir pour les animaux. D'accord. Et là, ça nous donne quoi? J'essaye de comprendre. Hein. Et ça, on peut le couper? Ok. Alors, utilisez l'établi pour fabriquer des objets pour votre ferme. Cet établi vous permet de fabriquer des stations, des structures, des décorations et des conteneurs de stockage. Et ça, c'est très important. Il va nous falloir ça. La marmite. Il nous faut de la pierre et du bois. Ah, mais il nous le faut absolument. Et maintenant qu'on a amélioré notre chez nous, pour de vrai, ça va être important. 5. Je vais aller chercher de la bouffe. Je dis ça depuis tout à l'heure, mais je suis tellement occupé à...
Allez, j'ai de la bouffe encore sur moi. Non, j'ai qu'un seul champignon. Ah. Je crois qu'on a, on a un passage ici, oui, voilà. Il me fait penser aussi à... Il y avait un jeu comme ça d'horreur où, où on joue à plusieurs. Il est un petit peu en style Tim Burton. Je sais plus comment il s'appelle. Si vous avez le nom, n'hésitez pas à me le dire. Je vais prendre mon arme. Hein. J'ai mon arme ou pas? Je vais prendre mon arme. On sait jamais, j'ai un peu peur. Et normalement, voilà, on peut la mettre dans le dos comme ça. Donc j'avais bien joué à la manette la première fois. C'est quoi? Oh, des baies! Oh, c'est pas beaucoup, mais... Oh, qu'est-ce qu'il y a, là? Qu'est-ce que c'est? Bien sûr, Bertram est tombé dans le puits. Je lui avais juste demandé un seau d'eau. Je vais voir si je peux lui envoyer une corde. J'écris cette note pour la postérité. Bertram, tu es un idiot. Ouais. Il nous faudra un seau. Je peux rien faire avec. Ouais, je peux rien faire. Ouais. Je crois qu'il nous faudra un seau pour voir ce qu'il y a. On va peut-être pouvoir ramener quelque chose. Ah ! Un bandit ! Dégage ! J'ai presque pas de vie, moi, en plus. Ah ouais ! Ouais, la roulade. Faut que je m'y remette. Hein. Allez. C'est qui, ça ? Allez ! Fume-la ! Voilà. Là, tu fais moins la maline. Esquive. Fais une esquive, fais une esquive, fais une esquive, fais une esquive. Raté. Allez. Voilà. Ça, ça fait moins la maline, là. Boum. En fait, il faut que j'arrive à esquiver dès qu'elle fait une attaque. Voilà. Raté. Elle a des œuvres d'art, l'enfoiré. Enfin, l'enfoiros. Tiens. Esquive. Ok, on commence à capter un petit peu les... Allez. Oh, il y en a deux. Non. Je fuis. Voilà. Voilà. J'ai une arme de merde. J'ai vraiment une arme de merde. Ah oui, c'est comme... Oh, j'arrive à la straffer. Elle va me faire mal. Ok. Fou. Aïe, 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 aïe. Elle fait trois attaques maintenant. Allez, fais-moi une attaque. Ah! Allez! Allez, je vais mourir. Je vais mourir, je vais mourir. Faut que je me casse. Faut que je me casse de là. Vite! Oh là 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 là. Allez, j'ai pas d'armes, j'ai rien. Est-ce qu'elle vient me chercher jusque là? J'espère pas. Faut que je dorme. J'ai fui! Ah ouais, désolé, mais là... J'ai pas assez de bouffe, j'ai rien. Oh, punaise. Comment je peux faire pour... Hein... Ah, l'ouverture est là. Des champignons. Un petit peu. Là-bas, il y a les bandits, donc je vais pas y aller. C'est quoi, ça? De la lavande. Mais qu'est-ce que tu veux que... Je vais pas manger de la lavande. Alors, je vais sentir bon, oui, mais... Ah, de voleur. Oh, non. Bonheur, je peux l'avoir ou pas? Oh, oui. Vous avez faim, ouais. Très bien. Ok, combat d'autiste. Combat d'autiste de fou. Ok. Oh, le combat d'autiste. Ah, très bien joué. Ah, esquive. Je vois rien avec les arbres. Ouais, je suis mort. Je suis mort de fou. Je peux pas sortir de chez moi sans me faire agresser.
Je sais pas, je... Allez, je le mange et je meurs. Je peux pas! Viens pas chez moi! Voilà, ah oui, forcément. J'ai pas le level. La douleur est insupportable. Bah oui, mais j'ai pas le level, les gens. Ouais, j'ai zéro level. Il est où? Il est là! Je vais te fumer. Ah ouais, je suis blessé de fou. Regardez, j'ai de la blessure. Oh là là. Non mais d'où? D'où, mec? C'est quoi cette attaque de fou? Oh, il a strafé. Oh, j'ai strafé aussi. Allez, viens. Ah ouais, voilà. Allez, viens. Allez. Ah! Mais attaque-le! Ah, je vais me faire fumer. Vous avez faim? Bah oui, mais bon. Je vais mourir, là. Ah, il va me tuer. Ah, il va me tuer. Ah, il va... Bah oui, 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 forcément. Forcément, forcément. Je me fais fumer. Je suis entouré de bandits et de voleurs. Regardez ma vie. Je peux plus la... Ouais, ouais, ouais. Bah ouais, regardez, hein. Je me fais mes déboîtes, hein. Élixir de santé, bah ouais, il me le faut. Hein. Déjà, je mange ça. Et je prends ça. Alors oui, c'est un peu triché de revenir, mais tous les jeux font ça, hein. Tu reviens, tu... J'ai un mort sur mon terrain. Et merde. J'ai une épée de merde, je peux rien faire. Je peux strictement rien faire. Il a quoi chez lui, là? J'ai vu, il avait un truc, non? Il est où? C'est ça, hein? Voilà, au moins, ça lui apprendra à vivre. Eh ben voilà, c'est déjà ça. J'ai un peu de nourriture. Et j'ai trouvé des dingueries. J'ai quoi, moi? 1 et 15. Ouais, allez, c'est mieux, hein. C'est à la paysannerie. Mauvaise qualité. Collant marron de mauvaise qualité. C'est le même. Il va falloir que je le vende. Je vais vendre ces dingueries. Ne peut pas être vendu. Voilà. Fou. Comment vous voulez que je me débrouille? C'est juste pas possible. Je sais pas combien il m'en faut pour me faire de la bouffe. Alors, ça, on est à 5. On a le cadavre là-bas. Est-ce que je peux lui mettre des coups de pioche au cadavre? Non, je peux rien en faire. J'espère qu'il va bouger, hein. On est à 11. C'est combien pour un établi? C'est 15 de bois, on a une enclume, un établi, un fourneau, un baril. Regarde. Ah, par contre, c'est écrit en tout petit. Sérieusement, ça aurait pu un puits. Étable pour animaux. Ah, il faut vraiment qu'il les augmente. Je peux pas les augmenter, les... Combat plus facile. Non, non, mise à l'échelle de l'interface. Ah, c'est peut-être ça. On enregistre. Si je fais ça... Ah, merci. Merci. Alors, on a quoi? On a la marmite que je vais faire en premier. On pourra faire un puits, étable pour animaux, moulin à grains, des abris. Là, on a les petits tonneaux qui vont nous permettre de mettre des choses. On va pouvoir se faire des cultures. De toute façon, il va falloir que j'en fasse très très vite des cultures parce que je vais en avoir besoin. Mais déjà, on va faire ça et l'enclume. Parce que l'enclume et tout, je vais le mettre à côté. Par contre, la marmite, je vais la mettre à l'intérieur. Hein. Faut pas déconner non plus. Hein. On peut faire des voyages rapides, ok. 14. Parfait.
créer. Elle est où? Est-ce que je l'ai dans mon inventaire? Oui. Puis-je le mettre à l'intérieur? Est-ce que c'est dangereux de le mettre à l'intérieur? Oui. Bon, bah on va le mettre à l'extérieur. Où est-ce que je pourrais le mettre? Je peux le mettre au milieu, là. Se faire une petite, un petit feu. On fait quoi? On fait comme ça? Voilà. Utiliser pomme au four, j'ai pas. Porridge. Ragoût de légumes, c'est des choux, des carottes, patates. Il manque des patates. Je peux pas faire cuire ce que je veux. Bon, bah au moins on a fait ça, écoutez. Donc une bonne chose de faite. Il va falloir qu'on récupère tout ça pour notre maison. Hein. Notre maison fait la gueule. L'enclume, des lingots de fer, j'en ai pas. Fourneau, c'est des pierres. Ah, c'est comme ça qu'on va pouvoir avoir ça. Ok, il nous faut de la pierre 40. Ouais, ouais, ouais. C'est vrai que je pourrais faire des missions, mais vous avez vu comment je me fais déboîter. C'est juste pas possible, je vais jamais y arriver. C'est juste pas possible. Je pourrais me faire des lingots de bronze ou de cuivre. Bah déjà, je pense que c'est ça que j'ai, hein. C'est du matériel de cuivre que j'ai. Oh là 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 là. Zou. Ils m'ont fait mal, hein. Et les bandits qui sont là-haut... Tant que j'ai pas d'armes de fou, je pense pas. Hein. Je pense pas que je pourrais leur tenir tête facilement. Pour moi, ça va être compliqué. C'est Stardew Valley. Woo. On est un peu plus de la moitié. De toute façon, il va aller. Ah, niveau 2. Level 2, on a plus de chances d'obtenir des minerais. Yes, merci. Le seul truc, ça va être la faim, quoi. Je sais pas comment on peut l'augmenter, la faim. C'est peut-être en ayant trop faim que ça s'augmente, peut-être. Là. Cool. Ça, je pourrais pas le péter, hein. Ça, on est d'accord, hein. Ouais. Ma pioche, elle fait la tête. On est à 37. Et il nous en faut 40. 38. On est à 41. Ok. Utiliser. Fourneau, fabriquer. Donc normalement... C'est vrai que je peux mettre mes affaires, genre là je peux... Est-ce qu'on peut les... Non, on peut pas les utiliser. On peut pas les prendre et leur dire de les mettre dedans le machin. Enfin, dedans la roue rapide. Donc là, utiliser, je peux faire des lingots de cuivre. Copain... Oh, bah il va falloir que j'en trouve. Est-ce que c'est ça? Non, c'est pas ça du tout. Bon, on va descendre, on va aller se chercher de la nourriture. Et si on tombe sur... Si on tombe sur du fer, on le prend parce que ça va être très utile. On va en avoir besoin. Je sais même pas à quoi ça ressemble. Oh, ça, il m'en faut. Est-ce que du miel, je peux le manger? À la manette, je sais pas du tout où est le raccourci pour... J'ai ce raccourci-là, mais j'ai pas de raccourci pour... Pour directement être dans l'inventaire, en fait. C'est pour ça que je suis obligé d'avoir la carte automatiquement à la manette. Et je joue à la manette parce que c'est un confort. C'est un petit confort pour moi. J'aime beaucoup. DB. Là, ça va, on a de la chance. C'est le printemps. Mais en hiver, ça va être un problème. Hein. Je vais peut-être pouvoir vendre des choses. J'ai peur de voler, d'avoir des problèmes, vous voyez. Je vais vendre. Je vais vendre mes habits en trop. C'est quoi ça? Je peux ramasser les baies? J'ai une baie de sureau. On peut la manger? Ouais, ça me maintient en vie, on va dire ça. On a encore des missions?
Non, on n'a pas de mission. Un vendeur, s'il vous plaît. Il me faut un vendeur. Peut-être à la taverne, je vais pouvoir lui vendre des trucs. Voilà, Kélia. Commercer. Vendre. Qu'est-ce que je peux vendre? Je peux rien lui vendre. Lui, il veut pas. Ah ah! Il y a un vendeur. Ah, ça m'énerve cette souris. On fera ami-ami avec tout le monde dès qu'on peut. Hein. Et c'est vrai que là... Ça je vends. On est à combien d'argent? On a notre argent. 200... On a 975. J'ai une épée de fer rouillée. Elle fait 6 de dégâts. La mienne fait combien? J'ai pas mon épée. Elle est où mon épée? Attendez, pourquoi j'ai pas mon épée? C'est quoi ce... Attendez, c'est quoi ce merdier? Elle fait 6. Ça sert à rien. Combinaison. 5 d'armure. 1 d'armure. Moi, elle fait 1. Ouais, elle fait 1, donc en fait, la combinaison, je l'achète. Hein. Bah ouais. Un. Ça fait que 1. Ouais, je vais prendre l'épée, écoutez. Je vais prendre une miche de pain, ça me servira. Donc là, maintenant, si je vais dans mon inventaire, ça, je prends. On a de l'armure, c'est cool. L'épée, je la mets là. Et ça, je vais pouvoir la vendre. Commercer. Vendre. Et ben voilà. On est à 1000... Oh là 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 là. Parfait. Je sauvegarde. Bon, ils sont en train de discuter, les gens. On verra quand on aura une belle maison, hein, parce que... C'est bien beau de parler aux gens, mais j'ai quand même envie... Qu'est-ce qui se passe? Ça t'arrive souvent, toi? Ouais, il a une houppette. Discuter. Discussion. Bavarder. D'accord. D'accord, il médite sur les origines de la vie. De l'humour. Est-ce qu'il a de l'humour, tiens? Une blagounette. C'est vraiment très très bien traduit. Hein. Sur fuir le continent. Ah bah, casse-toi si t'as pas envie de rigoler, hein. D'accord, c'est vraiment comme les Sims, vous avez vu. Il faut vraiment choisir et tout. On verra ça plus tard. Faut qu'on trouve du minerai. Hein. Ramasser. Yes! Avec la miche de pain, ça sera très très bien, ça. Ah, je peux pas le fumer, l'oiseau. Ah, je peux pas le fumer. C'est quoi, ça? Du kusoud? C'est quoi, du kusoud? Ah, c'est peut-être pour faire des potions, tiens. Là, des graines de coton qu'on va peut-être pouvoir planter. Ah mais attends, si on peut planter, je veux tester un truc. Je peux là? Ah, je peux pas le faire en dehors de mes affaires à moi. D'accord, je peux que ici. On a de la camomille qui va nous permettre de nous faire des soins peut-être. Là, je nettoie un peu, hein, quand vous voyez le merdier que c'est pour entrer. Voilà. Je pensais que ça aurait donné des graines, vous voyez? Ça aurait pu, hein. On a du bois. Oh la vache! On a un peu de foin.
Peut-être que je pourrais le vendre, le foin, tu vas me dire. J'ai envie d'y retourner. Sauvegarder. On a à manger. Miche de pain. Ok, elle est là. Elle est là, elle est là, elle est là, elle est là, elle est là. Une esquive! Allez! En garde, ma mignonne! Oh, oh là 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 là! Ok. Parfait. Ah, elle m'a stunné. Elle m'a stunné, Chardenne. Ouah, très bien joué. Voilà, mais pas assez. Oh! Voilà! Alors! T'en dis quoi, ma mignonne? Oulala, oulala, oulala. Allez, allez, j'en ai eu un. Pas qu'elle vienne chez moi, elle va me bloquer sinon. Viens ici. Viens ici. Oh, t'as eu de la chance! Ah! Ah! Allez, dans le dos! Dans le dos, ça te fait quoi ça? Une esquive? Et voilà. Oh, j'ai trouvé la parade. J'ai trouvé la parade. Hop! Non, raté. Voilà. Hop là! J'ai la parade. J'ai la parade. Faut que j'ai la parade. Voilà. Parfait. Vous avez vu la parade? Qui c'est le meilleur? Elle avait que de la lavande. Ok. Wouh! Champignon. Des soins. Les ruines présentes dans ces prairies étaient en grande partie vides, mais ces pierres, je ne parviens pas à comprendre leur fonction. Il doit y avoir un lien entre la grande pierre centrale et les trois petites pierres uniques disséminées dans les bois, mais pour l'heure, je dois arrêter mes recherches et retourner sur la côte. Ah, cette grosse pierre-là. Ça, je prends. Ok, on a plusieurs pierres. Si je la tape... Ok. Ok, ok. Ça, c'est quoi? C'est une pierre bizarre, ça. Si je fais ça... Ah, yes. Ça donne quoi, ça? C'est de la pierre. Ça me donne rien. Il y avait un autre bandit, hein. Je sais pas où il est, mais... On lui a fighté le truiteau. Ah, ça, c'est pour moi, ça. Voilà. C'est quoi, ça? Sommeil et énergie. Votre énergie baisse avec le temps. Certaines activités, comme utiliser des outils, hein, consomment de l'énergie. Vous avez la possibilité de récupérer un peu d'énergie en consommant de la nourriture ou des élixirs. Mais vous allez quand même devoir dormir à un moment pour vraiment récupérer. Ok, ok. Mais avant, moi, je veux péter ça. Ouais. Donc, c'est pas ça. Là. Il y a des trucs bizarres là. Ah! Il est là! En garde, ma mignonne! Très bien joué. Très bien joué de ta part. Il faut que je lui fasse la technique. Non. Voilà. Voilà. Parfait! Faut que je lui fasse la technique. Viens. Voilà! Très bien. On raté! Je l'ai bien amoché déjà. Voilà. Allez. Parfait. Ok. Allez. J'arrive à gérer, hein. C'est vraiment du Dark... La Dark Soulisation du jeu. Voilà. Oh, raté. Raté. Allez. Non. Non. Il veut pas. Il veut pas. Il est à fond, là. Il a mangé du couscous. Tiens.
Non. Ouais, j'ai sommeil, mais c'est pas grave. Boum. Ah. Non. Non, qu'est-ce qu'il fait? Mon perso, il était bloqué. Eh bien là. Allez, viens, Tipiak. Il a pas envie. Tipiak. Ah. Il esquive. Raté. Raté, j'ai très très mal joué. À moi. Plus qu'un coup. Plus qu'un coup. Allez, viens. Bon, il est excité, il est excité, il est excité. Voilà. Boum. Yes. Oh, les enfoiros. Mes sentiments pour Reginald me tourmentent depuis longtemps. Mais seul compte pour lui sa voix, le frisson du raid, le choc de l'acier. Cependant, dans les moments calmes, à la lumière du feu, quand les ombres dansent sur son visage, je vois un homme différent, un homme avec qui j'ose rêver d'une vie loin du chaos de nos maraudes. Pourtant, je crains que ses rêves soient aussi fugaces que la brume du matin. Dois-je lui en parler? Ou faut-il me résoudre à enterrer ce sentiment profondément sous les sentiers accidentés que nous parcourons? J'aborderai le sujet quand il reviendra à la tour. Oh! C'était énorme. Mais en vrai, dans les jeux, le nombre de trucs où je vois qu'il y a des nanas qui ont des sentiments pour des hommes, enfin ça existe, je veux dire, mais qui vont en parler. De nos jours, ça n'existe plus. Hein. C'est toujours le mec qui va vers la nana. Ouais, moi, j'ai jamais connu ça. Hein. Je vous le dis, hein, j'ai jamais connu ça. Ouais, mais c'est curieux. C'est curieux, c'est curieux. Bon, ben je prends ça. Hop. Et j'ai brisé leur rêve. Enfin là, j'ai brisé leur nuque surtout. Mais en même temps, je veux pas dire, mais ils l'ont cherché. Y'a rien d'autre. C'est tout. Tout ça pour ça. Je les ai tués pour rien. Faut qu'on aille dormir. Mais au moins c'est fait. Oh. Oh la vache. On a fait double combat. Vous avez vu, j'ai bien fait de prendre mon armure et tout. J'ai pris vachement moins de dégâts et tout. Ah, il est parti le cadavre du bestiau. Enfin du mec. Dormir. Yes, on a réussi. Yes, yes, yes. Les meilleurs du monde, comme d'habitude. J'ai que ça à dire. Hein. Juste pour vous embêter, bien entendu, ça fonctionne. Là, et ça, c'est notre boîte aux lettres. On aura des gens qui vont nous envoyer des trucs quand on sera super... Attends, c'est quoi? Ah, j'ai que deux silver or quand on sera amis avec eux, quoi. Petit coffre, lingot de fer, du bois, grand coffre. Ok, bon, on va faire un petit tonneau. Je vais quand même mettre mes affaires dedans. Il me faut du bois. Et pas du boa, ce qui n'a aucun rapport. C'est vrai qu'on a plein de quêtes à faire. Je suis désolé, hein, mais vous avez vu comment on en chie. Donc je préfère un petit peu m'améliorer. Voilà. C'est 20 qu'il en faut? Je sais pas. Je sais pas combien il en faut. Au moins, on a détruit toutes les personnes qui nous posaient problème. Des bandits et un voleur. Voilà, au moins, c'est plié. C'est 30, et merde. Voilà, on va mettre ça dans notre maison complètement vide. C'est super. Allez. J'ai pas de pelle pour m'en occuper de ça. Ah si, d'accord, ok, d'accord. Et si je les coupe pas, ça repousse. Bon, je vais, au moins, eux, je les enlève. Les autres, à côté, ils peuvent repousser, c'est pas un souci. Ceux-là aussi. Allez, allez, allez. Et allez. Créer. Je vais le poser à l'intérieur et on va poser tout ce qu'on a. Parce qu'on a un espace un peu restreint. C'est super bien foutu avec un stockage rapide. Ah, c'est super bien foutu avec la manette. Hein. Je trouve. C'est quoi que j'ai mis? Non, ma potion, je la veux. Ça, est-ce que je peux l'utiliser, le mettre? Oh oui, regardez. Oh, c'est notre famille. Bam, je le mets là. On le mettra ailleurs quand...
quand j'aurai tout géré. Par contre, oui, c'est bien beau, mais j'ai mis toute ma bouffe. Stockage rapide. C'est quoi stockage rapide? C'est quand on a des trucs dans les mains? Ça, je prends. Ouais, c'est la loose, hein, quand même. Hein. C'est la loose de loose. Il me faut au moins des champignons. Je vais aller chercher des champignons et des pommes. Ouais, j'ai rien. Hein. Et le gibier, qu'est-ce que tu veux que j'aille chercher ça? J'ai rien. Il me faut des champignons. S'il vous plaît. S'il vous plaît, quand vous êtes devant la télé. Allez, des petits champignons. On a des baies déjà, ouais. Bon, c'est pas top, mais... Hein. Et on n'a toujours pas trouvé de fer. Hein. Et il faut qu'on trouve ces espèces... Oh, la plume. Je prends. Là, on est chez les gens. Ouais, ouais. Les raisins, vous croyez que... Je peux pas, j'ai faim et je peux pas prendre leur putain de raisin. Oh, il y a des champs. Oh, j'en prends une encore. Je sais pas à quoi ça va nous servir, ces plumes légendaires. Oh, des champignons, je les avais pas vus. Plumes légendaires. Je sais pas combien il en faut. Je vais me attirer des ennuis. Hein. Parce que là, je suis là. On a le cercle de pierre qui est là-bas. D'ailleurs, il faut que je les trouve, les pierres. Vous avez faim, oui, je sais. Merci. Merci le jeu. Oh. J'en ai allumé une. Regardez, j'en ai allumé une, il y en a trois à allumer. On aura peut-être un pouvoir divin. Je sais que j'ai plein de quêtes à faire, je sais. Je vous entends, hein. Vous savez que je vous entends, hein. Il y a des quêtes, on les fera les quêtes, vous inquiétez pas. Voilà, j'avais faim, j'ai trouvé. Mais le problème, c'est que ça va pas me suffire. Banana. Oula. On a eu un chargement. Oh, la plume. Ah, qu'est-ce qu'on a là? C'est cool qu'il nous ait laissé des petits trucs comme ça. Campement. Ah! Encore! Allez, viens là. À moi. Ouh! Ok, il est faisable. Il est faisable. Ouh! Ah, voilà, c'est faisable. Voilà. Voilà. Ok. Je vois rien avec l'arbre. Allez, viens là. Voilà. Esquive. Parfait, j'arrive à gérer. Hein. Je sais pas si vous voyez, mais la technique azerbaïdjanaise. Voilà. Allez, viens là. Voilà. Ah. Très bien joué. Mais pas assez. Wouh. Ils ont rien, ils ont que de la lavande. C'est quoi? Je suis en train de tuer des hein. Des bobos. Cet arbre est si beau, je l'aime, je pense rester longtemps ici. Original, soit maudit. Ah, bah je t'ai tué. Oh là là, on a des casques et tout. Je suis en train de les déboîter. Hein. J'ai son lit et tout. Fais moins les malins là. Il y a une corde là, je peux la prendre ou pas? Non, je peux pas la prendre. On commence à gérer les bandits. Hein. On a la petite technique là. Je suis au-dessus de ma maison.
Au moins, tous les bandits, ils vont virer. Moi, je te le dis. Hein. Oh ah oui, la plume. C'est un rapport avec les plumes qu'on récupère. C'est hyper mystérieux, tout ce qu'on trouve. Hein. Par contre, je trouve toujours pas de fer, de machin, de... Oh, du ginseng. C'est le tuto, ça, qui nous avait demandé de ramasser du ginseng. Ouais. On dirait un truc de trébuchet, vous voyez. Une armature. On est où, là? On est chez des gens. Par contre, j'ai toujours pas trouvé de fer. Hein. À moins qu'on ait passé à côté, qu'on l'ait pas vu. J'ai pas fait attention. Il y a des chances, hein, ça aussi. Il y a des chances que je sois passé à côté comme un gros débile. Hein. Oh! Albert, vous avez le charme d'une chaussette trempée. Dame Elspeth ne vous apprécie pas. C'est à moi qu'elle accordera ses faveurs. Rendez-vous à l'aube. Préparez-vous à goûter à la défaite. Edgar. Ah oui, ils sont morts tous les deux, quoi. Edgar, je suggère à l'aube sous l'arbre noueux, apportez votre meilleure épée et peut-être un chiffon pour essuyer vos larmes quand je vous aurai vaincu. C'est un moment, Albert. Ah oui! Ah, c'est excellent! Ah ben, les deux sont morts. Pour une nana qui en a rien à foutre en plus, hein. Je parie. La nana, elle en a... Ouah, je suis super loin. La nana, on en a rien à secouer. Oula, le chargement. On a des gens, là. C'est chez qui? De l'or? Peut-être un mec... Ah oui, mais ils ont... En fait, quand vous expliquez les ennemis, vous savez... Oh là là, un loup. Allez, viens là! Trop bien joué, mais pas assez. Je vais te fumer. Oh, je vais le straffer. Oh, je le straffe. Hop là! Oh bah alors, la bestiole. Allez, tiens. Prends ça dans les chikungunya. Prends ça. Il mord avec son cul. Il mord avec son cul. Allez. 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 Très bien joué. Très bien joué de ta part, ça. Mais regarde pas assez. Oh là là. Attendez, je vais le straffer. Skip. Allez, mais viens là. Allez. Boum. Oh là là. On est les meilleurs. Hein. Que ça à dire, moi. Faut que je trouve les autres stèles. Je trouve pas. Oh, attends. Je peux ça? Non, ça je peux pas. Champignon. Ah! Non, c'est du cuivre. Dommage. Dommage, dommage. Il va falloir qu'on voit ça de plus près. Mais on a pas mal avancé déjà. Je peux peut-être me faire des lingots de cuivre. Parti, c'est en train de me les faire. Donc l'enclume, on peut pas parce que c'est des lingots de fer. Hein. Le baril. Pour produire de l'alcool. Mais oui, mais il va nous falloir du merdé. En fait, il nous faut du lingot de fer pour tout après, vous voyez. Et tant que j'en ai pas. Ah si, le métier à tisser, on va pouvoir en faire. Ça aussi pour le truc de tannage. Ça c'est bien parce que j'ai du cuir sur moi qu'on va pouvoir vendre. Le puits, on va pouvoir le faire. L'établi pour animaux aussi. Le poulailler, bien entendu, tout ça. C'est cool, c'est cool, c'est cool, c'est cool. Eh ben écoutez les amis, j'espère en tout cas que cette petite vidéo vous a fait plaisir. Si vous voulez la suite, n'hésitez pas à me le dire en commentaire de vidéo. Et on continuera notre aventure sur Mirsewood. Pour l'heure, je vous fais d'énormes bisous. Merci beaucoup, je vous dis à très bientôt. Portez-vous bien, salut tout le monde.